champion d'Europe, c'est magnifique. Et c'est voilà, Nohan Dudon qui va faire maintenant son kata. Il est beaucoup plus grand, beaucoup plus massif hein, physiquement. Gankaku, le combat qu'il a choisi. Même si ils sont égalité au niveau des yeux bandés. Kata très compliqué. Parce qu'il met de l'impact, il est plus puissant, on sent au niveau du bruit, au niveau des percussions, qui est plus costaud que son prédécesseur, moins artistique. C'est là que tout va se jouer, un demi-tour. Magnifique. Grosse performance hein, de Nohan Dudon qui n'a rien à se reprocher. Après, la prestation de l'Azéri était très bonne aussi. Donc voilà, en fonction des notes, en fonction des sensibilités des uns et des autres. Alors, les scores. Alors, on voit pas bien. Instant, enfin, le français est en tête. Le français, le français va gagner. Oui, il est devant dans tous les domaines. Et le français est champion d'Europe, c'est magnifique. Nohan Dudon remporte le titre de champion d'Europe en para-karaté après une magnifique démonstration de force, de puissance. Il bat son adversaire azerbaïdjanais. Champion d'Europe, c'est magnifique.